anesidote yo te la, si yo pat la veritablement. Mais m senti que m te content que m te la parce que c'est une grosse satisfaction. Lorsque tu vas faire des que les gens qui ont au mandat, et moi, je me rends compte que si je suis allé et la population d'après ça très mal, je jamais apprécié la présence que je devais dans le carnaval. Effectivement, il était nécessaire parce que c'est pour la première fois dans l'histoire du département que je recevais un gros événement comme ça. Même si l'homme était à peine élu, je fais un bagage 19 octobre pour commémorer le cas la mort. Il y a pile d'autorité, en pile de monde débarqué. Mais cependant, l'événement, ça a la dimension nationale, ça qui a un caractère officiel parce que c'est l'État qui fait directement. Nous avons une tradition, non? Nous avons une belle chaque année? Bon, c'est pas carnaval national. Pas la même ampleur, ouais. Là, pas la même bon, dimension. Donc, c'est extrêmement difficile. Je ne connais même pas mon gars qui monter pour me chercher l'électorat ni pour me faire mon plaisir. Quand il est là, j'ai mobilisé pour ça. Pas de moyen pour mobiliser tout comme ça encore. Non, pas même genre. Pour réaliser. Mais peut-être que j'aurais pu donner l'idée de réaliser un carnaval départemental côté que mon homol, mon Saint-Louis du Nord, mon La Pointe, mon Chansol, Bassin, le Jean Abel. Yo capable vini et pour de paix ça c'était toujours l'idée pas moi donc que dans ce sens ça nous capable faire question pour nous capable encourager jazz local yo tout vous pensez que politiciens ou candidats pour le service de ça comme sujet de campagne pour mon capable pour mon voter dans la prochaine élection yo? Parce que le président a annoncé ça, mon yo était content, donc il a vendu la mèche. Non, c'est pas ça, c'est juste pose une question. Parce que si mon yo était content, il était même, donc ça arrivait que quelqu'un qui dit. Il y a quelqu'un qui a pas le promettre. Il y a quelqu'un qui a pas le promettre, mais moi-même, pas quoi, ma parle basique campagne sur ça. La campagne pas facile pour tout le monde qui a voté, je suis un défenseur. Je ne pas le défendre, non, c'est pas ma parle défendre. Ok, maintenant, sénateur. On tourne sur les dernières paroles, dernier point d'abord avant pause là. On dit, même si nous avons réuni les meilleurs intellectuels. Animés de meilleures intentions, mais on n'a pas de bonne volonté. Pas de bonne volonté. Donc là, ça, on dit malgré tout. Le Sénat n'aurait pas été productif. Ah, mais maintenant, à quoi bon maintenant? Que continue à fonctionner si. C'est pas fonctionner, pas fonctionner, c'est plus faire ça, c'est plus retirer ça qui fait le bac à productif là. Qui ça qui fait le bac à productif? Eh bien, mais ça qui fait ça. Pour une loi votée dans le Sénat, premier bagage, la majorité de loi, c'est pas législatif là qui fait vraiment. C'est l'exécutif qui toujours voué dans le Parlement. C'est-à-dire que ce n'est pas des propositions de loi, c'est des projets de loi. Oui, mais nous avons une mission tout de produire, oui. Produire des propositions. Oui, nous d'accord. Nous-mêmes, nous avons fait des propositions de loi. Tout. Mais ça, je veux dire, pour voter une loi, je veux dire, on a 30 sénateurs. Il faut qu'on vote recevabilité. Loi d'abord. On n'a pas qu'un débat, on n'a pas qu'une discussion pour accepter que la loi est recevable. Là où on peut faire appel à un ensemble de gros problèmes qui gagnent. Pour ça, parce que nous avons déjà des lois. Qui c'est des lois inconstitutionnelles et puis accepter que le recevable. Or, en principe, peut-être Dieu se dit ça, pas recevable à l'arranger là avant pour ne pas perdre du temps dans le débat. Parce que dès le départ, il n'y a pas de droit recevable ou un ensemble de conditions pour analyser pour elle possible. La loi a un droit, son bel bagage, il y a une belle idée, mais à l'état actuel de notre constitution, on ne peut pas l'amender parce que la voter parce que la pose un problème de constitutionnalité qu'on doit appliquer. Là. Même son joueur, Yuri Latorre, tu étais président et puis quand pile. Projet qui passait, qui votait. Voilà. Et le peuple n'a pas compris. Et nous-mêmes, comme parlementaires, ou bien en général, nous avons besoin de montrer le peuple pas que nous avons voté, mais nous n'avons pas fait de loi. Pour qui ça? Parce que, un, il faut que la loi soit votée atique, pas atique. Si son loi gagne 10 atiques, il n'y a pas tellement de problème. Mais nous prenons par exemple le projet de code pénal que l'exécutif a gagné. Je dis ça dans l'émission par là, je fais partie de la commission. Je dis malgré toutes les formes faites pour m'encourager le travail, il y a de sérieuses réserves. Sous loi ça. Mais est-ce que quelqu'un dit qu'on ça? Moi, ça fait gros débat après l'exécutif de publier. Mais est-ce qu'on a posé les vrais problèmes? Premier bagage, c'est que l'est trop longue. Actuellement, pour des méthodologies qui n'ont pas fait un code avec autant 1500 combien d'articles, ça parle à quoi d'accord. C'est renforcé que tout le bagage, il faut qu'on limite. Mais qui est-ce que la cause ça? C'est parce que je dis, dans des gros débats qui ont fait, avant qu'il ait dit, ah, il faut que nous prévoyons tout ce qui est sur le carré. On met la loi à prévoir ça, c'est ça le problème. Comme si on était capable d'où, j'aurais pu se donner en tête de l'ordre de joie. Loi a été là pour prévoir toute situation. Non, on n'est pas là pour prévoir toute situation. Le juge, il a une marge de manœuvre, d'interprétation pour adapter la loi. Maintenant, quelle est la formation de ce juge? Quelle est la conscience de ce juge? Quelle est la culture de ce juge?
qui ça nous apprend dans la faculté dans le droit comparé pour lorsque nous ne sommes pas capables, pour raisonnement juridique, là, chita bien. Ça veut dire que le problème n'est pas que j'aime qu'à prévoir tout le bagaille. Il faut avoir de bons avocats qui ont des cultures juridiques et de bons juges. Parce que les bons avocats et les bons juges font la loi, font la justice. Mais quand vous pensez d'arriver sur lui, arriver, c'est que moi entendez plus, en fait, pas seulement entendez, moi aussi voir plusieurs parlementaires là qui produisent des lois aussi même. Loi pas qu'à voter, pourquoi loi? Non mais. Je dis loi, population, c'est loi, c'est pas vrai. Pas de problème, pas de problème, nous d'accord. Mais il parle de marche, si vous permettez comme ça. Il parle buter sur des obstacles de la part même de ses collègues. Et bien c'est ça. Ses collègues parlementaires. C'est sur ses obstacles. Il même dit que ça ne va pas un tel. Possibilité ça pour la les boulevards, pour la faire capital politique. Pour la faire capital politique. Mais c'est quoi cette histoire? Bien, c'est là, il y a un groupe de monde qui n'est pas doué arriver dans le Sénat. Il y a une mauvaise perception de la fonction parlementaire. Il n'est pas fait dans le Sénat seulement, il fait dans le député. Donc, merci de me faire cette remarque. Mais en fait, il y a des problèmes d'ordre structurel également. Si on doit, il faut qu'il vote article par article, nous prenons 1500 articles. Et chaque droit a un débat sur lui. Chaque débat donne lieu à motion. Combien 30 personnes ça a, pour passer 1500 articles ça. Combien de temps il faudrait-il et l'autre bagaille pour voter. Et l'autre bagaille. Non seulement l'autre bagaille, mais il faut parler dans le département, il faut qu'on travaille. Mais cependant, le pas hasard, tout le monde a réussi à voter avec toutes les corrections nécessaires, il est transféré dans la Chambre des députés. 117 députés pour faire même exercice là, 1500 articles pour aller passer article par article, débat, option, et tout le monde doit parler. Ou bien nous faisons bouillir vide et nous acceptons n'importe quelle qualité bagaille, ou bien nous prenons 6 ans, loi ça pas jamais voter. Ou bien nous simplifions la question. Ou bien nous simplifions la question. Maintenant, s'il faut simplifier, il faut que c'est au niveau législatif, on a fait travailler ça. C'est un travail ça qui demande d'expertise, nous n'avons pas gagné, je préfère d'écraser. Au lieu même y a l'analyse, comme il n'y a pas capable d'identifier le problème qui fait, comme il fait passer comme monde qui connaît, tu parles de monde qui connaît ou pas, on dit bon, on crase, comme si l'intellectuel qui est bien formé, c'est elle dit on crase parce qu'elle va bon. Donc je dis à moi-même quoi que la solution aurait été quoi? C'est à deux niveaux. Si effectivement nous avons besoin de l'autre monde entrer dans le Sénat, c'est ça? Mm-hmm. Si le monde ça aussi, même qui fait ma défendre l'institution avant ça, nous avons besoin de connaître qui est, X ou Y, mais nous avons aimé que nous avons l'autre dirigeant dans le Sénat. Ça, c'est un, mettez ça là toujours. Deuxième bagage, nous avons aimé, puisque nous avons dit, même si nous avons un monde qui est plus bon, qui n'est pas productif, qu'on a ces problèmes d'ordre structurel, il faut faire des aménagements au niveau de règlements internes, au niveau de constitution, pour dire comment la loi est capable de vivre. Il faut une durée de vie de la loi au niveau du Sénat. On ne va pas éternellement camper là. Il faut que bon temps yo dit pour le faire. Il y a des solutions à proposer. On pourrait dire, par exemple, c'est une chambre seulement nous pouvoir pour voter loi. Nous devons oublier ça. On va gagner les navettes, comme ça, comme journaliste de carrière. Navette là, il dit que. Allez, retour. La loi n'est pas votée dans les mêmes thèmes dans l'autre chambre. Et si n'importe qui virgule veut changer, il faut qu'il retourne dans la chambre qu'il y a encore. La vote est article. Vous comprenez? Donc ça veut dire que quelque part, on. Moun, si le Sénat est seulement des techniciens dans le droit administratif et que loi c'est sous droit administratif, pas de problème. Maintenant, ce que je propose, nous sommes capables de faire par exemple. Le problème, c'est parce que les commissions ne travaillent pas. Ouais. C'est parce que les commissions ne travaillent pas. Alors, ce qu'ils ont payé pour ça? Eh bien, c'est-à-dire que non seulement payer, ils sont supposés prendre expert pour faire. Et c'est ça pour le peuple qu'on est pour forcer. Vous cherchez à prendre qui est le monde qui est expert, qui est le monde qui est conseiller, qui est le monde qui a fait ça, pas ça, pour que cela devienne un critère d'évaluation de la performance des parlementaires. Donc je dis, si commission, par exemple, je ne suis pas obligé de connaître les questions routières, mais je ne suis pas obligé, tous ces experts gagnants, c'est là dans le gain. Parce que ce n'est pas ça qui intéresse, même si c'est, non, on est dans l'international, mais on est qui fait diplomatie. Mais la pluralité de tout le monde, ça a une commission, travaux publics en dedans, et bien la loi s'est arrivée, commission, ça a tapé toute faiblesse. Il fait travail là pour nous et que là, il n'est pas devant nous, pas une grosse bataille qui n'a pas le fait encore. Donc, si les commissions ne travaillent pas, parce que, en pile fois, nous avons une commission, est-ce que nous avons une qualification pour commission, véritablement? Donc, cette question de qualification est fondamentale, d'après le fond, pas qu'il y a temps, ou bien on se nègre tout. On l'a vu en 2011 ou en 2012. Nous songeons à la question Anel, là, juge Anel. On nous garde, c'était juge Anel. On nous garde un simple exemple. On croit que. Anel qui de regretter mémoire, perd son âme. Pas précisé.
Anel Joseph, M. Anel Joseph, ancien membre de la Cour de cassation. Oh, je vais préciser. Ok, c'est Anel Joseph, ancien juge de la Cour de cassation. La loi sous question dit, mais quel âge pour mon gain pour capable d'éligible à cette fonction? Vous imaginez que le Sénat a 30 sénateurs. Et puis, l'idée de dépasser l'âge là. Et puis, il votait quand même. Vous comprenez? Il votait quand même. Bon. Pas de monde qui était acquis ou ça. Jusqu'à ce que les appels fassent élection, qu'on y a cherché exception, c'est là ça. Je veux parler de bagaille ça. Un canon grave. Ça veut dire que quelque part, moi-même, si je me dis là, ça va me passer. Je ne suis pas passé si vous votez le contenu, même d'après faire well parce que moi, j'ai un réflexe comme allant loi avant de prendre décision pour me garder, d'homme de loi pour me garder. Oui. Donc, autrement dit, pour moi-même, même question amendement, tout, vous avez vu comment il y a une commission au niveau de la Chambre des députés, député Djerita Adjo, qui est en faire le tour du pays pour essayer de recueillir le point de vue des acteurs. Mais il dit, pareil, Lio, en fait, ses pères, il n'a pas quitté le passé. Eh bien, pas quoi que n'y pas quitter le passé. Donc, on peut remettre en question le processus également. Ouais, ça que m'y a retenu, c'est que ça que facile là. Mais ça que plus difficile là, refuser à là-dedans. Le problème là, c'est que, un, je l'avais dit, tout ce que se faisait en marge de ce que dit la Constitution. D'abord, la question de l'amendement peut être posée par l'une des deux chambres ou bien par le Parlement ou bien par l'exécutif. L'exécutif de la Tégué-Doua, c'est lui-même qui prend l'initiative. On appelle ça l'initiative de l'amendement. Mm-hmm. Maintenant, c'est le Parlement qui a pris l'initiative de l'amendement, mais à partir de la Chambre des députés. Là, il se pose un problème méthodologique. Mm-hmm. Gros problème parce que quand je suis arrivé, on a formé une commission au niveau du Sénat de la République, dont je fais le président. Et dans cette commission, il y avait le sénateur Yves Latortue, le sénateur Jean-René Sénatus, le sénateur Dudon Étienne Dumas, le sénateur Larèche. Nous avons fait partie de la commission. Maintenant, comment travailler ensemble? On a vu que le député Djiri a beau vouloir. Il avait de la bonne volonté, il marchait. Mais maintenant, comment travailler ensemble? Parce que ce que nous allons faire, c'est une question de parler sur le pouvoir. On peut voir qui gagne plus confiance. La politique, c'est une question d'intérêt. Mm-hmm. Une bataille de classe, une bataille de société, une bataille économique dans l'adoption d'une constitution. Est-ce qu'on peut négliger ça? Le député Djiri, il avait de la bonne volonté. Il est passé partout maintenant. Est-ce que c'est la Chambre des députés seulement qui peut faire l'amendement? Parce que c'est les deux. Donc, il fallait avoir une commission bicamérale. On n'a pas monté cette commission bicamérale. Chaque monde a fait un travail de côté. Prendre sur la Chambre de la Douane. Donc, la commission a dû être bicamérale, constituée de 9 députés et de 6 sénateurs. Et pourtant, c'est ce que dit la loi. Donc, maintenant, pas un bien, on dit ça, non? Nous, on voit plutôt que aucune commission bicamérale aurait eu plus de chances de succès parce que nous avons un groupe qui mettait nous ensemble pour nous faire. Maintenant, lorsque c'est au monde qui a fait, on va pas attendre que puisque un projet de constitution, son projet social lié, hein? Son projet qui a des incidences économiques, politiques également. Donc ça veut dire vous déjà qu'on est que logiquement, là même que votre intention aurait été bonne, mais le mépris du respect des formalités républicaines capable de mener nous à des désarrois comme cela a toujours été le cas. Est-ce que c'est la même considération pour le travail de sénateur Sénatus, par exemple et qui a à voir avec le code pénal là? Non, le code pénal là, ça sont. Non, là encore, il faut faire la précision, ce n'est pas travail Sénatus. Non. Le sénateur Sénatus. Ce n'est pas lui qui a présidé la commission. Mais il préside la commission, mais c'est un projet de l'exécutif. Ce n'était pas un projet de loi. Et pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, nous avons l'impression que le tiroir. Et. Ou pas quoi ça vous-même? Ou pas quoi l'antiwa? Il n'est pas l'antiwa parce que c'est lui-même qui met combien d'articles là. Qui suivi? Non mais pas même bien parlement. Pas même bien parlement. Souvent il va prendre 10 ans pour le voter, oui. C'est pas pour éviter de nous faire. Moi, je dis que le Banantiwa, il va lier. Non, le Banantiwa, je ne sais pas. Qui va lier, si le Banantiwa va oublier. Ah ben voilà, le Banantiwa. Non, le Banantiwa, non. 1500, bon, même malgré l'exécutif l'a publié, si je suis allé faire le travail sur lui encore. Puis changer lui. Il y a plus de bagages qui va bon là-dedans. Oh, ok. Chaque bagage qui va bon là-dedans. Mais on ne peut pas te ça. J'étais là, j'étais dans tout événement. J'ai toujours supporté le sénateur Sénatus qui était très déterminé. D'ailleurs, il est parti jusqu'en Afrique. Quand je dis ça, ce n'est pas pour démonter le travail qu'il a fait. Il a été très déterminé. C'est pourquoi on lui donne la paternité, même quand c'est un projet de loi. Mais il faisait son travail. Il faut le reconnaître. Il a fait son travail. Sénateur Nouriti, malheureusement, 3 minutes et dit malheureusement. Vraiment, nos bagages. Si on doit, par exemple, pour tant. Législature, pas là, maintenant, mandat là.
c'est quoi le bilan du Sénat en termes de loi votée? Qu'est-ce qu'on dit? Et je n'étais pas préparé pour cette question. Je ne peux pas dire. Pas quoi, il y a un pile de lois qui veulent voter véritablement. Il y a eu des lois qui étaient en votation, qui finissent passer, mais qui arrivent dans la Chambre des députés qui pas voté. Ok, ouais. Vous répondez. Qui arrivent dans la Chambre des députés, mais qui pas été en voté. Ok. Il y a un monde qui dit que le Sénat sont une structure budgétive, trop de gaspillage, trop de corruption. Qui gens résout le problème ça lui-même si pour nous t'as toujours capable. En fait, continuer qu'aimbé le Sénat de la République. Je suis d'accord. Et vous pouvez retirer tout privilège extraordinaire. Pile ceci, pile cela, retirer. D'accord. Que vous retirez, que vous quittez le monde. Bon, moi, d'accord que vous avez sénateur, on s'allait plus décent et puis d'accord. Et puis, vous finissez tout. Vous quittez la fonction législative. Et puis, bon, côté ça, encourager la presse, l'église, tout le monde font une grande campagne pour le peuple à connaître très bientôt que le monde ça a pas gagné l'argent, il a habitué à gagner dans le meilleur pour demander, pour faire l'école, pour faire route, pour ces sites, pour faire ceci, pour faire cela. Et je pense que c'est très bon pour le pays. Dis-nous, sénateur, pour qui ça, après chaque sénateur, après chaque fin de mandat de sénateur, puis il faut la donner tout riche? Et bon, m'baka dit que moi c'est question auditoire bay m'baka m'pa faire enquête pour me connaître tout riche ou bien ça qui pas riche, mais cependant moi capable dit que si moi-même en tant que parlementaire moi accepter que la corruption son frein qui empêche pays à développer, lorsque vous voulez changer même du changement pas seulement au niveau du Sénat mais au niveau de l'exécutif également, il y a des autres qui fait tout. Ouais. Donc le plus grand scandale de corruption, il a parlé de Petro-Caribe, il a parlé de l'autre également. Donc c'est l'exécutif qui fait chèque, lui qui fait tout à fait le tout. Donc ça veut dire que quelque part, je crois que au lieu que nous dit retirer, nous critiquer, on nous garde comment nous capables. Et c'est pourquoi dans ce projet de constitution, je ne comprends pas qu'on puisse avoir une constitution sans avoir l'avis d'un paquet de monde qui croit cette expérience là-dedans. Parce que la bataille contre corruption, moi je pense que c'est une bataille qui est extrêmement intéressante. Il faut qu'on débat sérieux qui fait sous lit avec tête reposée. Et non pas une APC, retirer bagarre là, mettre le bon côté par l'autre. Actuellement, ce qui se fait, opposition dit c'est le plus bon, pouvoir dit c'est le plus bon, c'est l'opposition qui est corruption, c'est là qu'il y a une corruption. Donc je pense que c'est avec sérénité que nous devons poser problème. Qui meilleure image retenue de Sénat, meilleure image, je veux dire. Meilleure. Qui plus belle bagaille qu'on sentit que nous t'es fait et qui a valu la peine de retenir l'attention et que étudiants qui ont grandi, par exemple, l'autre génération capable de dire ah, mais tel ça, Sénat a été réalisé. Meilleure bagaille nous réaliser pour moi-même, c'est inévitablement en dernière séance Petro-Caribe. Dernière séance Petro-Caribéa, c'était extrêmement difficile parce que la population, il y a des gens qui ont fait cette population pour le bagage là, 11 ans. Il y a des sénateurs qui étaient même peu sortis ou agressés. Et puis à partir de ce moment, et nous avons commencé avec un premier rapport au sénateur Yuri, nous avons commencé avec un deuxième sénateur Beauplan. On n'est pas venu à se rendre compte effectivement que nous étions dans la mauvaise direction. Et la bonne direction, c'était de confier l'enquête à une institution indépendante qui s'appelle la Cour des comptes. C'était difficile, nous prenons courage, nous. Le débat a été fait, on a donné des références, et puis malgré nous avons pointé du doigt, fustigé par une certaine frange de la population, à la suite, nous avons dit un peu, nous avons dit, c'était Cour des comptes vrai qui était compétent, qui était rempli de fonctions. Et que les journalistes qui nous posaient de mauvaises questions, chaque fois que je dis ça, je dis, qui sort dit, je dis, pour mes aimes passer, pour me faire accepter ça, je dis. C'est par la suite qu'ils ont accepté que c'est ça. Okay. Parce que c'est une très bonne chose qu'on avait faite. Et qui plus mauvaise image, qui plus mauvais souvenir au gain du Parlement du Sénat en particulier. Ah, le pire, c'était ce spectacle des batailles. On a eu plusieurs. Des grandes ratifications, premier ministre, coup de poing manqué tiré. Et puis, ça vandalisé, écrasé. Jusqu'à présent, on croit que le salon diplomatique n'est pas bon. Je crois que c'est pire image. C'est pire image. Cependant, le n'a pas parlé de pire image. Ça. Je ne vais pas dire que cela s'est passé au Capitole. Je ne vais pas prendre l'exemple ça pour justifier. Même pas le prendre seulement comme seul argument pour justifier l'utilité
pour l'existence de cette institution parce qu'on en voit partout. Maintenant, c'est maintenant bon bagaille dans le cadre des réformes à produire au niveau des règlements internes du Sénat. Est-ce que, par exemple, vos sénateurs sont capables de dire indéfiniment, ils ont immunité totale? Est-ce qu'on ne peut pas prévoir que cela constitue une infraction qu'un parlementaire puisse causer des exactions au niveau du Sénat? Ça, c'est tout un débat. Qui est-ce qui coordonne le bureau par vous-même? Et... on va un coordonnateur bureau? Bon, donc il y a des gens qui font jouer voilà, nous avons Carl et Phileas, et puis nous avons un monde que nous parlons faire des changements avec Kerline. Nous faisons Kerline et Despinas. Ok. La fini. Ou tu as essayé tout faire comprendre que j'ai un système là hier, grand pile bagaille qui t'a supposé éliminer pour nous capables de faire travail. Non? C'est comme si nous avons les sénateurs, des sénateurs, pas tous, peut-être, des sénateurs, t'as dit mettre. Mettre là, on n'est pas obligé au maître politique, on n'est pas obligé au niveau de l'exécutif. Yeah. Nous, bon, ça ne va pas dire trop fort. Mais nous avons une capture ficelle. Oui. Oui. Ce qui ne fait pas honneur quand même. Il n'y a pas à faire honneur, mais ça va dépendre de caractère et passé sénateur. Et je ne vais pas quitter aller là pendant que je pose des problèmes. C'est parce que moi, j'ai une solution qui est différente de ça que je vais dire, qui fait pas d'accord. Mm-hmm. Malheureusement, peut-être que je vais ça. Solution PAM, c'est que tout ça n'a pas dit là. Si, en tant que technicien, si bon, je fais un cours dans la classe, je dis actuellement en Haïti, il y a une remise en question du personnel politique. Bon, effritement de la confiance de la population dans les autorités étatiques, pas seulement Sénat. Mm-hmm. Maintenant, ce qui est mauvais, parce qu'on ne peut pas avoir résultat dans un tel état d'esprit. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de faire revenir la confiance pour une meilleure confiance dans eux-mêmes. Et comment pour faire? Eh bien, c'est garder comment Mounsa vous fait arriver dans le Parlement. Comment vous fait arriver dans l'exécutif là? Le jeune agent facile pour nous mettre. Oui, eh bien, ça qui passe, moi-même, c'est pourquoi ne pas passer, même ce projet de constitution dont on parle, on n'a pas parlé de la solution fondamentale, qui est le vote obligatoire. C'est seulement le vote obligatoire qui est capable de permettre que nous changions. Ce n'est pas changer le monde, changer, craser ça, retirer ça. C'est le vote obligatoire. Parce que c'est quoi? Quel que soit le président qui est arrivé au pouvoir, après 3 mois, nous valons 100 jours, depuis le pas développé le pays, on parle de majorité silencieuse. Mm-hmm. N'est-ce pas? Mm-hmm. La majorité silencieuse, c'est la majorité qualitative. Une sorte de perversion de la démocratie. Parce que cette forme de démocratie n'existe plus. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous confortables avec lui. Maintenant, effectivement, mon cap dirigeant qui doit diriger mal, véritablement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien majorité. Forcer, si nous sommes conscients qu'il y a plus d'intellectuels qui parlent dans la politique, qui ont plus de bonnes intentions, plus de capacités, mais qui ne sont pas capables d'aller, c'est garder ça que fait ou pas capable d'aller pour faire ou aller. Et bien ça, on dit que c'est pour tout le monde à le voter, parce que quelque part, un président est élu avec 500 000 voix sur une population de 11 millions de monde. Ça pose un problème de légitimité qui n'a rien à voir avec le président ou le parti politique, mais qui a à voir avec l'électorat. C'est-à-dire que l'électorat n'était pas aussi grand. Il faut augmenter la taille de l'électorat pour faciliter l'autre monde, parce que là, comme ça, l'élection vient tourner en clientèle. Il y a des gens qui ont des clientèles, c'est des experts. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne sont pas gagnés. C'est expérimenté. Pourquoi ça? Parce qu'il y a 23 000 personnes qui ont voté pour députés. Et puis c'est 1 200 voix seulement députés à pouvoir le faire pour le bon. Donc il est facile pour dégager des experts. Depuis qu'un petit poche ça avec l'argent pendant le mandat, il y a toujours là. Laisse ça au fait, au besoin. Ou même qui sont en Sorbonne, ou même qui sont journalistes compétents, qui ont bonne volonté, qui disent à la candidat, ou pas de carbone sur lui. Laisse ça, c'est pour faire plus de monde voter. C'est parce que tu as 5 000 personnes seulement qui ont voté. C'est pour faire 17 000 personnes voter. Parce que tu n'as pas de l'argent pour payer 17 000 personnes. Il n'y a pas de 17 000 personnes l'argent en même temps. Si vous êtes véritablement populaire, vous avez une chance pour aujourd'hui. Et là, pas résoudre le problème tout que la population a marché 2 km après faire campagne. Ou bien elle a voté au monde. Là, elle finit à choisir un premier ministre. Il y a les nègres partis politiques là. Qui parlent politique par là, qui ne doit pas gagner même. Il y a les nègres partis politiques là. Et c'est à voir, il a choisi le premier ministre. Il y a un premier ministre qui n'a pas voté, qui n'a pas aidé pays à voter, qui n'a pas gagné 4, qui n'a pas fait rien. Alors, le pas voter ou pas aider pays à chercher solution à chercher. Donc, solution ou même c'est. Vote obligatoire. Si vous pas voter,
ou bien compagnie ou pas capable gagner contrat dans l'état, ou pas candidat pour député, pas capable travailler dans l'état, ou pas capable faut pour voter. Et là ça dépend pour voter pour là, ta électorat a vu augmenter, n'a gagne chance pour que véritablement monde qui est élu, c'est de vrais représentants de la population et non pas sur 100 000 monde, sur 200 000 monde qui dans le nord-ouest et pour faire 19 000 voix. Mm-hmm. Faut au moins faut qu'on fasse 35 40 000 voix et là ça n'a gagne chance. La population n'a pas capable de parler de majorité silencieuse encore parce que tout le monde a été au vote, ça a été vraiment le choix de la population. Il y a toujours des gens qui ont fait quoi que ce soit. Le combat qui existe sans péter l'élément entre la légalité et la légitimité. Dans la démocratie, c'est l'égalité à Kimbe. Dès lors que nous avons une élection qui fait plus de gain, quelle que soit la quantité de monde qui a voté, mais nous d'accord tout, sur le plan de la légitimité, nous avons une petite minorité qui vote vraiment, même si c'est la démocratie, qui veut dire que l'élab dirigé, il est obligé à chercher. Légitimité, ça, beaucoup d'opposition pour ta faire alliance pour gagner. On peut pallier à ce sujet. Merci, problème. Sénateur. Merci, on peut merci. Bien dans l'élection. Oui. Et qu'il y a suffisamment de monde qui vote pour que nous soyons assurés que c'est un président, un sénateur, un député, maire légitime auquel nous avions confié le pouvoir. Merci infiniment, sénateur Kedler Augustin, pour disponibilité dans l'émission ça matin, en rubrique Le Point. Et maintenant, ça semble pas nous retourner. Sous question. Oui. Et bon mettre au lit. Et opportunément, on a fait une deuxième émission pour discuter les affaires pays hein, dans le vrai sens du terme. Merci encore une fois, sénateur Kembela. On a parlé de l'autre là. M'a fini, m'a dit autour avant que m'aille Wendel. Ce matin, je crois que le président du Sénat et là, recevoir une délégation de l'OIF, l'Organisation internationale de la Francophonie, côté que on va discuter de certains dossiers relatifs à l'actualité politique. Eh bien, très bien. Merci. Merci, Pastor Dimsa. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le sénateur Kedler Augustin est notre invité ce matin. Merci encore une fois de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain.